je regarde la lune, j'encule l'espoir. C'est des junkies à côté de moi. Envoie les sachets de meute à Paris. Des événements qui font que plus rien n'est pareil. On a les armes, les techniques et l'appareil. T'es max noir, casse-caille. L'avocat est feu, mon ami. J'ai mis 20 litres 5 pour la nuit. L'impression que je suis pas réveillé. Besoin d'avoir plus pour être libre. Coucou les amis, c'était ZK, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une petite vidéo un peu particulière. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un zip de temps. Bon, il est pas top dans l'état, mais c'est une petite présentation pour faire un avant et un après. Du coup, voilà. Donc voilà, un zip de temps. Comme je vous l'ai dit, il est pas au top. Là, je dois refaire ça. L'appareil, les compteurs, là, ils marchent plus. Faut que je le refasse. Le cache ici, je l'ai pas me la volé. Du coup, faut que je le rachète. De toute façon, tous les carénages, ils vont être rachetés. Le cornet, on a décidé de mettre de l'alu dessus pour éviter qu'il prenne trop d'air. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'il y a de l'alu. Le kick, faut que je le refasse parce que il a un peu du mal à se baisser, mais il démarre au quart. Enfin, il démarre que quand il a envie. Le feu ici, là, faut que je le rachète. Enfin, il est ici, mais il faut que je le pose. Pareil pour la selle, faut que je trouve une autre pour la, vu que ça là, normalement ça se clipse ici. Là, ça, on risque de me le voler, tout ça, on risque de me voler ce qu'il y a dedans, mais bon, voilà. Après, j'ai le bouton d'origine, Touring, qui est un peu, qui fait un peu la gueule comme vous pouvez voir. Parce que en fait, là, ici, il n'est pas accroché. Et attendez, et ici, là, comme vous pouvez le constater, c'est pas très très bien accroché. Du coup, voilà. Donc, c'est pour ça que faut que je vous le refasse. Voilà. Donc, voilà comment il est. Après, vu que le compteur ne marche pas, le compteur il est affiché à 19 000 km. Mais bon, il fonctionne pas trop. Là, nous avons un deuxième coffre. Donc, attendez. Voilà, donc les clés, quand ils sont comme ça. Hop. Là, avec la clé, vous appuyez juste comme ça. Et voilà, vous avez le deuxième coffre juste là. Il n'est pas très très grand. Et voilà. Je vous remontre un peu la vue comme il est. Donc voilà. Mais comme je vous ai dit, le scotch il va être refait à neuf. Donc refaire le nouveau carénage, le pot fixe, le nouveau cache pour là où il y a la batterie et tout ça. Enfin là, pas là où il y a la batterie, mais là où il y a la bougie et tout ça. Et tout ça, et mettre même la boîte à air d'origine. Parce que j'avoue, je suis pas trop fan du cornet. S'il faut mettre à chaque fois de l'alu, etc. Je suis pas trop fan. Il faut que je règle aussi ma fuite d'essence, parce que oui, j'ai une fuite d'essence au niveau du... Donc, comme vous pouvez le voir ici, là, il y a de l'essence, mais c'est une fuite au niveau du... Un avis, c'est la durite, qui est soit percée ou soit qui est mal mise. Faudrait que je regarde. Mais du coup, voilà. C'était une petite vidéo assez courte, on va dire, du scooter. Et faut que je remette des béquilles aussi, une béquille aussi. Et voilà. Bon, sur ce, les gars, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. You used to call me on my cell phone. Late night when you need